Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Voilà, c'est Ismaël qui a composé le 08 92 23 95 20. Bonjour Ismaël, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et vous-même? Ismaël, fils d'Abraham. Très bien, on vous écoute Ismaël. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai entendu les propos du général Paris, hein, si je vous l'ai fait, concernant Macron. Bon, Macron, je ne porte pas dans mon cœur parce que... Vous m'entendez? Oui, Ismaël, allô, bien sûr, oui. Vous disiez, Macron, je ne le porte pas dans mon cœur parce qu'en ma qualité de chauffeur de taxi, Macron, il m'a fait beaucoup de mal. Mais ce qu'il a dit sur la colonisation, ce n'est pas si faux que ça. Vous êtes historien, M. Chabassi, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Oui. D'accord. Alors dites-moi, quelles ont été les raisons de la colonisation en Algérie? Pourquoi on a colonisé l'Algérie? Je vous écoute. Permettez-moi de vous écouter. Après, si vous avez des questions, d'accord, je vous réponds. Ismaël, allez-y, d'accord, je vous écoute. Moi, ce dont je me souviens, c'est que l'Algérie a été colonisée parce qu'il y avait une tribu de 30 millions. Parce qu'avant la colonisation, quand même, il y avait une civilisation en Algérie. Hein. Il n'y avait pas des gens qui se promenaient tout nus dans le désert et qui attendaient qu'on vienne les civiliser. D'accord? Il y avait quand même une colonie, il y avait quand même une civilisation en Algérie, en Afrique en général, avant d'être colonisée. Il y avait des gens, il y avait une culture, il y avait un système social. On ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que la colonisation avait des bons côtés. Il n'y avait aucun bon côté à venir coloniser un peuple, lui enlever son droit d'être indépendant et venir nous dire que c'était pour son bien. C'est pas vrai. La France avait une dette par rapport à Napoléon. L'Algérie a financé à hauteur de 30 millions sans intérêt la campagne égyptienne de Napoléon. C'est exact ou pas? La France n'a jamais remporté cette dette. Et quand l'Algérie a demandé à ce que cette dette soit remboursée, on a envahi l'Algérie sous prétexte qu'il y a eu un affront qui a été fait au consul de France. Juste pour ça. Enfin, la soi-disant la gifle avec les ventailles de Hussein. Mais ça, c'est un prétexte, d'accord? La colonisation, ça a été l'un des plus grands crimes contre l'humanité qui a été fait. Parce qu'on a enlevé c'est comme ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. C'est un crime contre l'humanité. Il y a des colonisations. La colonisation existe toujours de nouveau. C'est un drame et c'est honteux. Et c'est un crime contre l'humanité. Macron a eu raison de dire ça. Et même si Macron, je ne voterai jamais pour lui, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Alors après, quand j'entends les pieds noirs, oui, d'accord. Comme on dit, oui, ils nous ont tout pris. Est-ce qu'il leur a été pris? C'était pas à eux, d'accord? Eux, ils sont arrivés, ils ont volé des terres qui ne leur appartenaient pas, elles ont été récupérées, et ils viennent dire qu'on leur a tout pris. C'est quand même extraordinaire. Moi, demain, je rentre chez vous, monsieur Abbasi, je rentre dans votre demeure, je me l'approprie. Si vous la récupérez, je veux pas dire que vous me l'avez volé, quand même. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on minimise encore, au jour d'aujourd'hui, le côté abominable de la colonisation. Il faut voir les crimes qui ont été commis pendant ces 133 ans de colonisation quand même. Il faut voir ce qui a été fait. Les essais nucléaires dans le désert. C'est quand même extraordinaire qu'on vienne nous dire que ce n'était pas un crime contre l'humanité. Et on s'en fout suite de ce qu'a dit Macron. Je trouve ça quand même limite hypocrite, quoi. Il faut arrêter 5 minutes de venir nous dire que la colonisation, c'était super. C'était le... Il y avait une civilisation avant que la France arrive en Algérie et en Afrique et la Belgique qui sont amusés à découper ça avec une carte et sur une carte avec une règle et un stylo. Il y avait des gens qui vivaient là-bas, d'accord? Il y avait des gens qui vivaient là-bas avant que la France arrive et qu'elle impose sa culture. Qu'est-ce qui donne le droit à un peuple de dire que sa culture est meilleure qu'une autre et qu'on va aller l'imposer à l'autre? Qu'est-ce qui donne le droit de dire ça? Voilà ce que je voulais dire. La colonisation, c'était honteux, c'était abominable. Et il est hors de question qu'on vienne me dire aujourd'hui que c'était pas un crime contre l'humanité. C'était un crime, en tout cas, contre l'humanité africaine. Alors, si les Africains ne sont pas humains pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un crime contre les humains africains. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, Ismaël. C'est vrai, non? Je veux vous dire que la colonisation est condamnée. Personne sage, intelligent, historien ou pas historien ne peut pas justifier les colonisations. Même les grands écrivains, les grands intellectuels européens, qu'ils soient français, espagnols, britanniques, portugais, ils ont condamné les colonisations de leur pays quand ils étaient pas chez eux, quand ils étaient ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Ismaël, j'ai une question, s'il te plaît.
Est-ce que quand Macron il a dit ça, est-ce que vous et vos amis, parce que vous parlez autour de vous, avec vos amis, vos familles et tout ça, oui. Est-ce que vous avez changé d'avis? C'est-à-dire, si vous vouliez voter en faveur de M. X, une fois que Macron il a dit ça, vous avez changé d'avis, vous allez voter Macron? Non, absolument pas. Personne ne va voter moi, ce qui me concerne Macron, comme je vous l'ai dit, je suis chauffeur de taxi, donc Macron, il nous a fait beaucoup de mal avec son libéralisme en France. Je sais que c'est l'argent. Oui, ça coupe, Ismaël. Vous êtes en train de rouler, je crois, et ça coupe. Oui, Ismaël, vous êtes là? Oui, c'est bien. Oui. Macron, demain, il doit tellement à tellement de monde qu'il ne sera jamais indépendant. Ça va être le George Bush français, Macron. On n'a pas besoin de lui. Mais moi, Macron, j'ai pas eu besoin, excusez-moi, je veux le dire comme ça, j'ai pas eu besoin de sa gueule à Macron pour savoir ce qu'était la colonisation. J'ai pas attendu que Macron vienne me dire ce que c'était la colonisation ou ce que ce n'était pas. On le sait que c'est du populisme, on le sait que c'est pour récupérer le vote des enfants d'immigrés. On n'est pas cons. Nous sommes nés en France, nous avons grandi en France, nous avons étudié comme tout le monde. On a un cerveau et on réfléchit. On le sait très bien quand on vient nous faire des appels du pied, on vient nous draguer. Benoît Hamon, c'est la même chose, qui est en train de nous refaire le Mitterrand des années 80. Je vous aime les Arabes, je vous aime les Noirs, venez voter pour moi. On n'est pas dupes non plus, d'accord? On le sait très bien. On le connaît ce jeu. On l'a vu, on l'a revu. C'est pareil. Pour moi, Benoît Hamon, c'est juste... il s'est échappé des SOS racistes, et moi, les SOS racistes, je ne les supporte pas. Donc, moi, Benoît Hamon, c'est pareil. Mais Macron, c'est le même jeu qu'il joue. Il essaie de gratter des voix à gauche, des voix à droite. Il se positionne sur rien. Tout en... il n'a pas de programme. On dit où son programme, on ne l'a pas vu, on ne sait pas. Macron, c'est du vent. Macron, c'est du vent. C'est-à-dire, donc, autour de vous, Ismaël, autour de vous, quand même, vous n'avez pas trouvé personne qui, après ce propos de la part de Macron, vous dire que voilà, Ismaël, je vais voter Macron. Vous n'avez pas personne. Non, parce que ça serait réduire les gens à juste cette dimension d'immigrés ou d'enfants d'immigrés. Non, on est français. Ça fait partie de notre histoire, d'accord. Mais nous sommes français. On va pas voter pour quelqu'un parce qu'il a mis aujourd'hui une chemise bleue, que j'aime le bleu. On attend. Nous aussi, nous avons envie d'avoir un programme, de le voir, ce programme, de le lire, de le comprendre, d'y adhérer ou pas. Ce n'est pas juste sur une phrase que les gens vont voter pour un président. On n'est pas si con que ça, les enfants d'immigrés, quand même. On n'est pas non plus des pénibulis, comme on disait à l'époque, c'est l'expression que la France aimait tant. Non. Nous, on voudrait aussi pouvoir qu'on nous accorde un minimum d'intelligence, qu'on n'insulte pas notre réflexion, et qu'on nous permette quand même d'adhérer à un programme et de voter pour ce programme. Pas parce que Benoît, comment s'appelle-t-il, Emmanuel Macron, est venu me dire aujourd'hui ce que je sais déjà, ce que mon père m'a dit, ce que mon grand-père m'a dit. Je n'ai pas attendu Emmanuel Macron, un gamin de 38 ans, 39 ans, qui vienne me dire à moi ce qu'était la colonisation. Ah bah super, il l'a dit, je vais aller voter pour lui. Il faudrait réduire le choix des enfants d'immigrés français à ce que Emmanuel Macron a dit. Il peut demain venir me dire que l'Algérie, dont je suis originaire, vous l'aurez compris, que l'Algérie est le plus beau pays du monde. C'est pas pour ça que je vais voter pour lui. Absolument pas. Moi, je vote pour une personne qui va faire du bien à la France. Je suis français aussi. Bien sûr. Si les enfants d'immigrés, on aime notre double culture. On aime revenir à notre culture parce qu'on est comme ça. On reste pas moins français, on aime notre pays. Comme l'a dit Jamel Debbouze, il a dit beaucoup de conneries, mais entre la France et l'Algérie, je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère. Et il a eu raison de dire ça. Ah, c'est joli. C'est Jamel Debbouze qui a dit ça. On aime nos pays d'origine, certes. On a cet attachement fort à nos pays d'origine, à l'histoire de nos parents. Mais nous sommes français, citoyens français. Et on aime notre pays aussi, la France. Qu'on le veuille ou non. Et on voudra voter pour le président qui sera le meilleur pour la France. Pas pour ce qu'il a dit ou parce qu'il m'a caressé dans le sens du poil. On a plus de réflexion que ça, monsieur Abad.
Alors, monsieur Ismaël, déjà, puisque on va pas faire, actuellement, on sait pas réellement qui va être candidat, réellement reconnu candidat, il reste encore du temps, mais quand même, moi-même personnellement, je veux savoir, et je crois que ça va être intéressant pour nos auditeurs aussi, surtout que vos propos étaient très intéressants au sujet de Macron et colonisation. Alors, à votre avis, Ismaël, parce que vous avez donné votre avis sur deux candidats, c'est-à-dire Benoît Hamon et Macron. Alors, parmi vos amis, parmi les membres de votre famille, quand vous parlez, parmi les candidats présents actuellement, c'est qui que vous préférez, vous et les gens qui vous entourent? En ce qui me concerne, il y a peu de personnes qui trouvent grâce à mes yeux aujourd'hui. Je trouve que l'offre politique, elle est d'une pauvreté que je n'ai jamais connue encore. Mmh. Mais je vais dire que mon cœur balance plus pour Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Mmh. Parce que j'aime assez cette idée. Oui, je suis algérien, mmh. Je suis musulman. Comment s'appelle-t-il? Jean-Luc Mélenchon a comparé le voile hier à un torchon. Je n'ai pas apprécié ce propos-là du tout, en tant que musulman. Je n'ai pas apprécié que le voile soit comparé à un torchon. Mmh. Il ne reste pas moi que je trouve que c'est le meilleur candidat pour la France, et je voterai pour lui. Mmh. Ma dimension de français fait que, bien que ma religion soit l'islam, et que le propos de Jean-Luc Mélenchon ne m'a pas plu, j'arrive à faire la part des choses, et croyez-moi que tous les gens arrivent à faire la part des choses. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon, ouais, cette idée de 6ème République, je la trouve pas mal. Alors, Ismaël, j'estime que la 5ème République, elle est arrivée au bout, qu'elle est à bout de souffle. Elle n'a plus de raison d'être, il faut passer à autre chose. Ismaël. Oui. Comme un historien, et comme vous savez ou non, je suis aussi islamologue. Mm-hmm. D'accord? C'est-à-dire, je connais bien l'islam. Alors, comme un islamologue aussi, je veux vous dire à vous et à tous les autres musulmans qui nous écoutent. Ça, c'est une information d'un islamologue, hein? Ce n'est pas ni un critique, ni un attaque, ni je ne sais pas quoi. Vous savez, le voile. Pas la peine de prendre des pincettes pour donner votre avis, monsieur. Voilà. Je veux vous dire que le voile, mon ami, le voile n'est pas musulman. Le voile n'est pas une obligation musulman. C'est-à-dire, si Mélenchon et quelqu'un d'autre, il a dit ça, c'est vrai qu'actuellement, jour après jour, le voile est en train de prendre la place en Europe, dans les pays occidentaux, même en Amérique, même en Europe. Et ça, c'est un symbole, surtout avant qu'il soit une obligation religieuse, puisque déjà, je veux vous informer que dans le Coran même, au départ, prophète de l'islam, il sortait avec sa femme Aïcha sans voile, et le voile, c'est vrai qu'il y a quelques versets qui parlent que les femmes doivent se cacher, ça oui, c'est de se couvrir d'une certaine voilà façon. Ça c'est ça il y avait des raisons de l'époque que le voile ne soit pas une obligation, c'est une chose, voilà c'est une chose. Mais est-ce que c'est une interdiction? Est-ce qu'il y a une interdiction? Non. Puisque vous m'avez dit, vous êtes musulmane. Et lui, il a dit oui, ça. Moi, ici, j'ai senti une responsabilité de vous informer. Je vous en remercie. Que le voile ne soit pas une obligation, c'est une chose. C'est sujet à interprétation, mais soit. Mettons. Est-ce qu'il y a une interdiction à ce qu'une femme porte? Je veux dire, si une femme souhaite porter le voile, pourquoi est-ce qu'on lui interdirait de porter le voile, monsieur? Non, c'est autre chose. Par exemple, vous êtes algérien, vous m'avez dit. Si vous êtes kabyle... Je suis franco-algérien d'origine. Enfin, si vous êtes kabyle, si vous n'êtes pas kabyle, une grande partie des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, les femmes, qu'ils soient dans la ville ou dans le village, ils ne portaient pas le voile avant. C'est vrai, maintenant, peut-être là-bas aussi, ils portent bien. Si vous vous rappelez, par exemple, les grandes-mères et tout ça. En France, avant, les femmes, elles ne portaient pas de pantalons. Aujourd'hui, elles portent des pantalons. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation religieuse. Mais si elles souhaitent le porter, je veux dire, s'il y a une femme qui souhaite le porter, pourquoi lui interdire? Si une femme ne souhaite pas le porter, personne ne va l'obliger. Il faut sortir de ce fantasme aussi, de ce fantasme qui consiste à dire que les musulmans
oblige les femmes à porter le voile, c'est faux. Et vous le savez si vous êtes islamologue. C'est faux. Personne n'oblige personne. Si vous êtes islamologue, vous savez que dans l'islam, il n'y a personne qui n'est responsable des actes de l'autre. Si une femme veut porter le voile et elle ne veut pas le porter, il n'y aura aucune incidence sur l'homme qui vit avec elle ou qui ne vit pas avec elle. Ce n'est pas son problème à lui. Il n'a pas à l'imposer, il n'a pas à lui imposer, et elle n'a pas non plus à se plier à ce qu'il voudra par rapport à ça. Si Dieu ne lui a pas obligé ou ne lui a pas interdit, elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi est-ce qu'on va lui interdire de porter le voile? Je veux dire, vous allez dans le sud de l'Espagne, il y a beaucoup de femmes qui portent un voile sur la tête, des femmes âgées. En Italie, vous êtes de quelle origine, monsieur Abbassi? Vous avez un accent que je n'arrive pas à situer. Perse, monsieur. Vous êtes perse, d'accord. Donc vous connaissez même, vous avez peut-être... En Iran, il y a des femmes qui ne portent pas le voile en Iran. Il faut arrêter de nous dire qu'il y a la police islamique qui est partout. Non, il y en a la police partout et c'est obligatoire là-bas. Là-bas, c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais lorsque c'est une femme occidentale qui se couvre la tête, ils savent très bien que c'est pas un voile islamique. Ils le savent très bien. Même vous avez entendu, les femmes occidentales aussi, s'ils vont aller là-bas, il fallait qu'ils portent le voile. C'est-à-dire, ouais, si Marine Le Pen, elle était au Liban, alors raconter le voile, elle a refusé de porter le voile. Voilà, le mufti, il voulait voir le mufti, et voilà. Est-ce qu'on l'a emprisonné pour ça, ou est-ce qu'on lui a mis une amende, ou est-ce que non? Mais par contre, dans certains pays musulmans, que le voile est obligatoire, si vous ne le portez pas, vous n'êtes pas dans le respect de loi, vous allez porter des amendes et vous allez avoir des procès. Et puis en France, il y a encore une inégalité de salaire entre les hommes et les femmes, mais ça, c'est pas grave. Par exemple, ça, on s'en fiche. Ah non, ça aussi, c'est vrai qu'il y a des mouvements. En France, il y a des millions de chômeurs, mais c'est pas grave. Le problème, c'est le voile, vous voyez, le problème, c'est l'islam. Mais monsieur Ismaël, il y a des millions de mal logés, je ne sais plus combien de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, mais c'est pas grave. Le problème, apparemment, c'est l'islam, le problème, c'est le voile, on ne sait pas. Apparemment, c'est ça le plus important. C'est pas d'améliorer le quotidien des Français, apparemment. Apparemment, c'est de stigmatiser une religion, de trouver un bouc émissaire et de tout mettre sur son dos. Mais les vrais problèmes des Français, non, ça, c'est pas grave. Vous vous rendez compte des inégalités qu'il y a entre hommes et femmes en France, soi-disant le pays qui se permet de donner des leçons à tout le monde. L'inégalité des salaires entre hommes et femmes, à compétences égales, voire supérieures pour les femmes. C'est-à-dire ici, ce n'est pas une obligation, juger. On ne l'oblige pas les femmes de porter voile. Tu sais, Ismaël, j'ai eu deux personnes que je le connaissais depuis... 20-25 ans, qu'avant ils ne portaient pas le voile. Alors tous les deux, quand j'ai posé la question, comment ça se fait qu'après des années que je vous vois, vous portez le voile, même vous avez demandé à vos enfants de porter le voile, il y en a une fille qui a quitté le foyer familial pour ne pas porter le voile. Enfin, c'est une longue histoire. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu, la femme? Il m'a dit, David, nous sommes membres d'une association, on travaille dans cette association, l'association nous interdit, il nous oblige de porter le voile, sinon on va être viré. J'ai dit, c'est pas vrai. Il a dit, oui. Et moi, puisque j'étais très sensible à ce sujet-là, qu'est-ce qu'on a fait? Elle-même, elle m'a proposé d'appeler, enfin, président de l'association, en disant que, puisque si je suis obligé de porter le voile, j'ai trouvé un autre boulot, je vais démissionner, aller là-bas, puisque là-bas, je peux aller travailler sans porter le voile. Et elle a téléphoné devant moi, elle a parlé pendant 15-20 minutes avec son président, et j'ai vu qu'il avait raison, c'est-à-dire le président, il disait oui, les gens qui vont travailler chez nous, madame, il fallait qu'ils portent le voile comme vous avez accepté de le départ de votre contrat, maintenant, si vous ne voulez pas le porter, vous voulez ailleurs, patati patata, c'est-à-dire, ça, c'est peut-être nouveau ce que vous venez d'entendre, pour moi aussi, c'était tout à fait nouveau, quand j'ai entendu ça, que certaines associations, ou peut-être certains organismes, ici même en France, ils obligent les femmes de porter le voile. Vous voyez, s'ils vont rester à travailler dans... c'était l'association. Après, s'il y a des établissements, des entreprises, c'est autre chose. Je suis très curieux de ne
pas avoir vu un sujet là-dessus sur BFM TV ou je ne sais où. Non, oh, ils n'osent pas parler. Moi aussi, c'était nouveau. Non, non, ils ne vont pas parler de ça. Soyez sûr et certain que même moi, ce soir, j'ai parlé. Pourquoi ? Puisque je suis honnête, comme vous, en est en train de parler. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, je le partage avec vous, vous voyez ? Pour moi aussi, ça, c'est intéressant. Récemment, j'ai appris ça. C'est-à-dire, si vous parlez autour de vous avec toutes les femmes voilées, et vous posez cette question-là, peut-être vous aurez aussi des réponses similaires, voilà, vous voyez ? Écoutez, j'en connais énormément, des femmes voilées, des femmes qui ne le sont pas. J'en connais aucune, mais vraiment aucune, à qui ce voile lui a été imposé. J'en connais aucune, vraiment aucune. Bon, il faudra peut-être m'en présenter une, moi j'en connais pas. Et pourtant, j'en connais beaucoup des femmes voilées. J'en connais beaucoup qui ne le sont pas aussi. Vous voyez. J'en connais qui l'ont mis, j'en connais qui l'ont enlevé, qui l'ont remis. Mais personne, ça a toujours été des démarches personnelles. Je peux te demander une faveur, monsieur Ismaël ? Dites-moi. Parce que vous, autour de vous, vous rencontrez beaucoup de gens. C'est pour nous, hein, ça nous aide, c'est-à-dire un travail de journaliste. À partir de demain, chaque femme que vous voyez autour de vous, posez la question, pourquoi elle porte le voile ? Une question, une réponse. Après, vous venez sur mon antenne lundi ou quand vous voulez. Je vous dirai ça pas lundi parce que je n'aurais pas vu assez, mais samedi prochain, je vous dirai ça. Samedi prochain, je ne serai pas là. Je suis là tous les lundis et chaque dernier samedi de mois. Alors, ce ne sera pas lundi d'après-demain, voilà, mais lundi. Un autre lundi. Je vous embrasse, Ismaël, voilà. Et j'étais ravi de vous avoir en ligne. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. On va prendre tout de suite Manu. Manu, bonjour. Bonsoir, David. Bonsoir, Manu. Comment allez-vous ? Bien, et toi ? Ça va très bien, Manu. On vous écoute, monsieur Manu. Justement, je vais rebondir un petit peu sur ta discussion avec lui. Et juste, je vais passer un petit message. Lilith, t'es morte, toi et tes sœurs. Et tu me couperas pas avec ma relation terre-mère. Donc, après vos religions, votre propagande nazie, c'est fini. Merci, David, pour ce message. Ah, c'était court, cet message de Manu. Voilà, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, radio ici et maintenant. Et vous avez la parole, mes chers amis. Le sujet... C'est variable. Vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez poser vos questions si vous avez des questions. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous informer également. C'est-à-dire, si vous avez des informations que vous pensez que nous, on ne l'a pas, vous pouvez nous informer en composant votre numéro 08 92 23 95 20. Alors, malheureusement, j'ai entendu que Donald Trump, il a un problème avec sa femme aussi. Et peut-être qu'ils vont divorcer. Voilà. Cet problème que Donald Trump, il a avec les services de renseignement de son pays, avec les médias. Alors, ça commence aussi actuellement avec sa femme. Sa femme est très triste. Et elle se confiait à quelqu'un en disant « Je suis isolé dans mon appartement et voilà, je ne suis pas content, je ne suis pas ravi. » Et vous savez, concernant la femme de Trump aussi, son mesquin là, il était très embêté. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement François Fillon qui, à cause de sa femme, ils sont en train de l'embêter. Et aujourd'hui, Fillon, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, s'il vous plaît, arrêtez d'attaquer ma femme, attaquez moi-même directement, pas ma femme. Et c'est vrai, de temps en temps, certains l'attaquent. Et, même si c'est le diable que vous êtes en train de l'attaquer, ce n'est pas raisonnable ni justifié. Alors, vous savez, puisque c'est une mancane, Mélania, c'est une mancane, tout le monde le sait. Il était mancane, il avait beaucoup de photos nues. Alors, New York Post, au mois de juin, au juillet de l'année dernière, en couverture, à l'intérieur, il avait publié plusieurs photos nues de la femme de M. Donald Trump. À l'époque, Donald Trump lui-même, il est venu, il a défendu sa femme et ce qu'il avait fait avant qu'elle devienne sa femme. Et tous ces problèmes-là, c'est-à-dire regarder, être de femme de quelqu'un, après être matraqué,
est massacré et frappé à cause des enjeux politiques, qui, même si c'est le diable, c'est pénible. Alors voilà, Donald Trump, après plusieurs mariages, c'est possible qu'il va... C'est le problème, n'oubliez pas que Sarkozy, il est où ici en France, quand il est divorcé de Cécilia, même avec Madame Carla Bruni, il y avait certains problèmes, mais tous les deux, ils ont pu gérer l'affaire pour rester solides. Voilà. La famille conjugale, c'est très délicat, surtout quand vous êtes un homme public, une femme publique, un artiste et tout ça. Alors Donald Trump, après tous ces problèmes, c'est problème familial, problème de sa femme. Vous savez, aujourd'hui même, il avait reçu une partie des journalistes, mais les journalistes qui n'étaient pas connus, célèbres, même BBC, ils n'étaient pas invités aujourd'hui chez Donald Trump, puisque lui, il pense que les médias, ça c'est une question assez importante, parce que c'est vrai, les médias, ils sont en train de jouer avec la sagesse, le cerveau, l'intelligence des gens, bombarder sur un sujet qui peut-être c'est dicté par les forces économiques, militaires, je ne sais pas quoi du monde, c'est pas acceptable. Alors, n'oubliez pas, vous avez la parole, mes chers amis, David Abbasit avec vous tous les lundis dès 23h et chaque dernier samedi du mois, et on va essayer de vous écouter plus qu'avant. Pour ça, vous pouvez nous appeler, vous exprimez sur le sujet que vous voulez et vous êtes le bienvenu. 08 92 23 95 20. Bonsoir Guy. Oui, monsieur. Ah ben, c'est bonsoir. Bonsoir. Ça va Guy? Oui, ça va très bien. On vous écoute. Je vous appelle sur ce que je viens d'entendre, ce que vous avez dit sur Trump. Je trouve que vous tombez dans la démagogie générale, parce que la presse, les médias, enfin on parle des médias, mais ce sont également les médias qui nous font croire que Trump, que les médias sont contre Trump, non, déjà c'est une partie des médias, et si Trump est là, c'est grâce aux médias. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, pas vous, mais généralement les médias. Je vais juste vous prendre un exemple. Il y a une semaine, Trump a dit qu'en Suède, il y a eu un attentat, que la Suède c'était la catastrophe. Hier, le chef du gouvernement suédois a répondu qu'il faut que Donald Trump arrête de raconter des bêtises, parce que c'est faux, il n'y a pas eu d'attentat depuis 5 ans en Suède. Bon, ça, le monde entier l'a entendu. Donc, pour s'en rattraper, pour continuer de faire cette manipulation médiatique, Trump a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit au journal de la... Il a parlé de Paris, il dit Paris n'est pas Paris. Pardon ? Et il a parlé de Paris cette fois-ci. Oui, ben justement, c'est ce que je veux dire. Et il y a une semaine, il a parlé de la Suède. Hier, le gouvernement suédois, donc hier, quand je vous dis hier, il y a 24 heures, a répondu, le monde entier l'a entendu, et les Français ne l'ont pas repris, que le gouvernement suédois a répondu, il faut que Donald Trump arrête de raconter des conneries, parce que c'est faux. Il n'y a pas eu d'attentat en Suède. Donc pour se rattraper,
est masqué, parce que Trump, c'est ça, c'est masquer ses bêtises. Il a parlé hier ou aujourd'hui avec le décalage horaire en disant que, en faisant une espèce de blague comme d'habitude, que c'est à Paris, Paris n'est plus Paris, etc. C'est-à-dire répéter ce que dit Le Pen. Et qu'est-ce qu'on entend au journal aujourd'hui ? Sur la 2, en début de journal, de la hausse, tout fier de dire Donald Trump a dit ça, et on nous passe pendant 30 secondes Trump qui dit que Paris n'est plus Paris, etc., etc., etc. Le discours. Alors qu'on aurait préféré aussi, au moins, entendre ce qu'a dit le chef du gouvernement suédois. Donc on voit bien que c'est une manipulation gigantesque et on continue de prendre les gens pour des imbéciles. Trump est un clown d'extrême droite et l'image, quand on le présente, par exemple, quand la 2 au journal de 13h nous passe Trump pendant 30 secondes en disant que Paris n'est plus Paris et que de la hausse est tout fier de passer ça, ce n'est plus de l'information. C'est ce qu'on appelle la manipulation, c'est exactement ce que faisaient les nazis en 1935, 4 ans avant qu'ils commencent leur guerre, 4 ans après, en 1939. Donc voilà dans quel monde on est. Donc c'est dommage que vous tombiez dans ce piège. Et moi je vais vous dire une chose, vous êtes d'origine iranienne. Bon, l'Iran, Obama a signé un partenariat avec l'Iran alors que Bush avait prévu de bombarder l'Iran. Donc au moins, il y a eu ça a été au moins suspendu parce que c'était prévu. Bush 2, je parle. Le Liban a décidé d'accueillir Le Pen. Bon, effectivement, c'est un pays où je ne mettrai jamais les pieds. C'est un pays, il y a eu une guerre civile qui a duré quand même des années et des années. Donc en fait, c'est un pays qui est tombé bien bas. Mais c'est pas étonnant quand on voit que c'est un pays, c'est-à-dire le Liban, où les Africaines sont affamées, tuées, violées, africaines femmes de ménage, hein, ce qu'ils appellent là-bas des bonnets à tout faire, qui se font piéger par des contrats bidons. Et aucun gouvernement libanais n'a fait quoi que ce soit, donc c'est pas étonnant. On comprend mieux maintenant pourquoi ils soutiennent l'extrême droite, entre parenthèses. Parce que qu'un pays comme ça accueille l'extrême droite, c'est du jamais vu. Donc on va directement à une guerre, mais c'est pas la guerre que votre général parlait, là, que dire que la Russie est gentille, que les Américains sont méchants. Là, on n'est plus là-dedans. Maintenant, nous sommes dans le retour des subprimes. Ceux qui ont provoqué la crise financière en 2008, ils sont au pouvoir aux États-Unis. C'est-à-dire, ce sont des Goldman Sachs, ce sont des Ike Bankers, c'est-à-dire, ce sont des gens qui font de l'escroquerie financière et qui ont failli couler la planète en 2008-2009. Donc il y a quelques banques qui ont coulé, enfin environ plus de 700 banques aux États-Unis. Mais là, on se dirige directement là-dessus, surtout qu'il y a une loi qu'Obama a passée qui s'appelle la loi de séparer banques de dépôt et banques d'affaires pour éviter de faire des hedge funds, c'est-à-dire des prêts hypothécaires et de les revendre, qui a provoqué la crise. Eh bien, qu'est-ce que... Et justement, c'est bien masqué aussi par les journalistes. Qu'est-ce qu'essaye de faire Trump ? Casser cette loi pour recommencer à spéculer, faire des arnaques. Donc voilà où on est. Hein. Voilà, c'est tout. Donc après, pour moi, Trump, ce n'est qu'un clown, d'extrême droite. Ben, vous savez, un clown d'extrême droite, on a vu, c'était qui ? C'était comment il s'appelle, Hitler, c'est Mussolini, et puis c'est Le Pen. Bon, donc vous savez, tout à l'heure, il y avait une manif à Nantes, 3000 manifestants des Français contre la venue de Le Pen. Que dit le journaliste ? Ah, c'est l'extrême gauche qui ont cassé. Arrêtez, c'est l'extrême gauche. Ah bon, quand on est antifasciste, on est forcément d'extrême gauche. Donc voilà, toujours cette propagande de manipulation, quoi. Donc voilà, moi j'ai un avis vraiment assez divergent de ce que j'entends. Donc c'est pour ça que je voulais donner mon avis, monsieur Adafi, qui est différent. Alors, tu as donné ton avis, je te remercie, Guy, mais une chose que je veux vous dire, c'est ça. Ou vous n'avez pas bien écouté, vous étiez en train de faire quelque chose, tout d'un coup vous avez entendu quelques mots, ou vous n'avez pas bien, je suis désolé de vous préciser, capté ce qu'on a dit. Déjà, je veux préciser que le général Henri Paris, jamais il n'a pas dit que les Russes sont gentils, les Américains sont des méchants, il n'a jamais dit ça, monsieur. Deuxièmement, moi-même, si on vous informe de quelque chose, si on vous donne une information,
cette information, c'est l'information qu'on vous donne. C'est-à-dire aujourd'hui, Trump, il a reçu une partie des journalistes, il a interdit d'autres parties des journalistes d'entrer chez lui, ou sa femme, etc. Ça, c'est des informations qu'on vous donne. On ne juge pas. C'est-à-dire, on ne donne pas notre opinion qu'on est pour ou contre cet acte. On donne notre opinion le moment que vous demandez ou le moment que... Par exemple, concernant le voile, je précisais et je donnais mon avis à Ismaël. Mais quand on est en train de vous donner des informations, surtout, justement, c'est les informations qu'on vous donne, ce qui se passe dans le monde ou à Paris ou ailleurs. Et je voulais préciser, mais je voulais le prendre tout de suite, après l'histoire de Trump, justement, je voulais parler également de ce qu'il avait dit, Paris n'est pas le Paris, et parler à ce sujet-là, que je vous remercie, M. Guy, vous avez parlé de ça, mais je vous prie de bien noter ça, et même peut-être, je suis désolé, M. Guy, de vous dire, d'apprendre ça, parce que ça, c'est un problème comme un journaliste depuis 40 ans. J'ai cette expérience-là, que pour la plupart des gens, quand on donne une information, ils le prennent comme une opinion. Après, vous jugez. Et ça, ce n'est pas juste. Voilà, point final. Bon, est-ce que je peux juste faire une conclusion, M. Abbassi? Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, monsieur, bien sûr. Bon, je vais juste dire, oui, votre avis, c'est votre avis. Hein, c'est chacun son avis. Je vais juste dire, juste sur ce qu'a dit votre général. Il a dit que le grâce avec les Kurdes, Bachar el-Assad peut gagner. Mais les premières personnes qui soutiennent, qui ont toujours soutenu les Kurdes, c'était Obama. Et d'ailleurs, les Kurdes se retrouvent tout seuls parce que quand les Kurdes ont pris tellement de pouvoir, parce que les Kurdes, ils ont même un pays en Irak maintenant. Qu'Obama a pratiquement, ils ont pratiquement une grande partie de l'Irak, les Kurdes sont pratiquement une grande partie indépendante. Donc ils essaient de faire la jonction entre l'Irak et la Syrie. Et c'est pour ça que Erdogan turc est contre que la montée des Kurdes. Donc les Kurdes se retrouvent à avoir les Turcs en face d'eux. Bachar al-Assad le boucher en face d'eux. Finalement, il n'y avait que les Américains et une partie de la France et une partie des Occidentaux qui soutiennent les Kurdes. Donc c'est en contradiction à ce qu'a dit votre général, parce que lui, il est resté il y a 30 ans, dans l'espoir l'URSS, les gentils Russes et puis les méchants Américains. Là, c'est une question d'intérêt. Toutes les guerres, c'est des questions d'intérêt. Poutine, il met son argent avec les mêmes milliardaires truands, voleurs, escrocs de Trump à Londres. Donc tout ça, chacun veut se servir uniquement. Hein, je ne vois pas plus que ça. Donc il n'y a pas une question de mensonge. Tous essayent de prendre une partie du gâteau. Donc, voilà, chacun son avis. Mais pour moi, Trump, c'est une catastrophe parce que l'extrême droite a toujours mené à la guerre. Et on s'aperçoit qu'on y va de plus en plus. Il faut choisir son camp. En tant qu'antifasciste, effectivement, ce que je dis, c'est que la colonisation est un crime contre l'humain, contre l'humanité, c'est évident. C'est évident, sinon il n'y aurait pas une Afrique qui est le continent le plus riche et vous avez autant de pauvres. C'est que non seulement c'est un crime contre l'humanité, mais qui continue en 2017. Merci, bonne soirée, monsieur Abbassi. Au revoir Guy, merci. Voilà, c'était Guy sur 95.2 FM, Radio Ici Maintenant. Vous avez la parole également, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Je vais encore préciser, Guy, s'il te plaît. On est tous là pour apprendre des choses, pour apprendre. Moi-même, chaque jour, j'apprends des choses. Encore, je vais te préciser, Guy, apprends ça, s'il te plaît. Donner des informations, c'est différent avec l'opinion. Général Henri Paris, comme un général, comme un spécialiste, comme un historien, il a donné son avis selon les informations. C'est-à-dire, il vous a informé, il a dit « la Syrie peut gagner ». Pour gagner, s'il fait une alliance avec les Kurdes. Tu comprends? C'était une information. Alors, c'est vrai que les bouchers, qu'ils soient Bachar Assad ou Daesh et tous les autres mouvements qui sont en train de tuer les gens, c'est condamné partout, mes chers amis. N'oubliez pas, vous avez la parole en composant votre numéro que vous le connaissez, le 08 92 23 95 20.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de M. Yassine, attaché parlementaire dans sénateur ou non. Si vous êtes au courant, je vais être ravi d'être informé par vous. Alors Manu, bonsoir. Bon, excuse-moi David pour tout à l'heure, j'ai été un petit peu impulsif. Tu m'excuses. Ah oui, hein, parce qu'on n'a rien compris. Hein. Bon, alors je vais m'expliquer, tu peux me laisser... Ah oui, toi, je te laisse. Hein. Alors, moi, est-ce que mais, tu as... Mais tu restes gentil. Hein. Est-ce que tu as compris un petit peu par rapport à la... Franchement, à Ismaël qui te taquinait sur le voile. Vas-y, on va t'écouter, voilà. Allez-y. Bon, Lilith, ça veut dire... Comment dire, tu connais l'islam, donc automatiquement tu connais les trois phases de la lune, donc automatiquement tu connais la fille, la mère et la veuve. Ouais. Les trois phases de la lune par rapport à l'islam. Exact. Bon, Lilith, c'est ça. D'accord. Est-ce que ça fait mal aux musulmans? Qu'est-ce que ça fait mal? Lilith. Oui. Femme, fille, mère. Alors? Les sœurs. Les sœurs. Quatre. Tu sais que hier c'était le Saint-Valentin, le jour Saint-Valentin persan. Et Saint-Valentin perse, tu sais c'est quoi? C'est le jour que vous devez remercier les quatre personnalités que tu viens de les citer. Lesquelles, David? Femme. Non, mère, David, oui. Arrête. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Sion? Sion? Oui. En français? Non, en symbolisme. Allez-y, on t'écoute. Bah Sion, c'est 7. Isis. Horus, enfin Osiris, je crois, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est 4. Hein? Et justement, Nefti, je crois. Enfin, tu suis, tu trouves ça sur Internet. Ouais. Est-ce que tu le savais? Non, peut-être je le sais ou non. Tu es en train de parler avec nos auditeurs. Égyptiens. Manu. Oui. Je dis ça à toi, à tous nos amis qui nous écoutent. Ce n'est pas seulement David qui vous écoute. Vous êtes en train de parler avec une masse de gens, et nos auditeurs partout dans le monde. Expliquez-vous, que moi je le sais ou pas, c'est autre chose. Mais vous, expliquez ce que vous voulez dire. Mais tu peux pas l'expliquer, David ? Non, si je veux expliquer ce que toi, tu en penses, et tu veux dire sur mon antenne, mais ça serait... Tu n'es pas là pour faire comprendre David. Et tu es là pour t'exprimer, que tous les gens te comprennent, Manu, s'il te plaît. Voilà, allez-y, on t'écoute. Bah, j'ai plus rien à dire, si tu veux, enfin... Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est compliqué, tout ça. C'est très compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué, de temps en temps, on n'a pas envie de tout dire... Faut pas bah non, parce que franchement... Il ne faut pas dire que c'est compliqué. Il y a des trucs, tu les sais... Les choses que toi-même, tu ne veux pas le dire, tu veux que David il le dit. Tu comprends? Mais là, on va parler entre, on va dire, entre initiés. Encore je te précise, ton interlocuteur, ce n'est pas seulement David Abbassi. Il y a plusieurs... Voilà, ça y est, je me rappelle, 7... Isis, Osiris et Nemef, Sion, les quatre enfants de l'Égypte, de la déesse ciel d'Égypte. Alors ? Et s'ils veulent chercher, les auditrices et les auditeurs, qu'ils ont juste à rechercher le secret de la Vierge Noire. Et ils comprendront tout. Après, s'ils veulent mettre ça en relation avec l'islam, c'est la déesse Lilith, la femme démon, la première femme d'Adam. Mais c'est pas pour ça que la mère doit payer.
si tu comprends le symbolisme que je suis en train de te dire. Mmh. Parce que la mère, c'est la fertilité, c'est elle qui donne la naissance. Mmh. Si les sœurs sont dans leur délire, on va dire, comme ça, avec le système patriarcal qui va derrière, plus la LGBT, plus les féministes, tu comprends la barque solaire, les démurges. Je crois que j'ai tout dit, David. Je te remercie en tout cas. Merci, Manu. Je voulais au moins dire que c'était du symbolisme, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Merci à toi, en merci, tout cas. Merci, Manu. Et j'espère qu'ils arrêtent de parler du voile. Parce que si vraiment la cabale comprend leur sens, je pense que les initiés vont fermer à tout jamais leur parole. Voilà. Exactement. Merci, Manu. Au revoir. Voilà, vous savez, mes chers amis, nous vivons dans un pays laïque, comme la France, républicain. Chacun est libre de garder sa religion, sa philosophie de vie. Et il est libre d'exercer la liberté, égalité, fraternité. Mais tout ça, il ne doit pas gêner, d'autres individus. C'est-à-dire que votre liberté est limitée jusqu'au vous ne dérangez pas ma liberté. Et certaines règles de la société doivent être respectées également. Certaines règles de la société. Il y a des règles. Il faut les respecter. Moi, je vous prie d'aller sur l'Internet et taper l'Iran avant la révolution islamique d'Iran. Vous allez voir les femmes. Il était avec mini-jupe, patati, etc. Sans aucun problème. Mais il y avait peut-être 2, 3, 4% des femmes avec le voile, avec le chador. Mais actuellement, c'est 100%. Et comment ça a commencé? Un an après la révolution, en 1979, petit à petit, les femmes de l'université, les femmes de foyer, qui ne portaient pas le voile, qui ne connaissaient pas le voile, ils sont devenus voilés. Ça a fait un symbole. Et cet symbole, après, élargi et s'était imposé partout dans le pays. Actuellement, je vous dis ça, après, vous avez la parole, tout de suite, appelez-nous pour donner vos avis. N'oubliez pas, certains symboles, quand tu es en train d'élargir dans la société, tous ces symboles-là, c'est pour le but politique. Il y a un but politique derrière. Sinon, après des siècles, tout d'un coup, on ne devenait pas conscient de ce que, par exemple, le voile doit être obligatoire pour les femmes musulmanes, surtout en France. Si c'était le cas, pourquoi dans les années 80, dans les années 70, dans les années après la colonisation, qui est beaucoup des immigrations, beaucoup des gens ont commencé à se migrer, n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, si vous voyez, c'est une... vous ne le comprenez pas, vous ne le voyez pas, vous êtes sensible, vous êtes gentil, vous êtes croyante. L'individu qui le porte, il est gentil, il fait ça pour le plaisir de Dieu. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Pour le paradis, pour le domaine, pour après la mort, il fait ça. Mais de temps en temps, il ne sait pas quel but politique est caché derrière cet uniforme qui est en train de conquérir l'Occident. Et surtout qu'il n'a pas aucun rapport religieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas une obligation, mes amis. Alors, pour ça, je vous invite autour de vous, quand vous voyez des gens, posez la question. Des gens, une grande partie, ils sont devenus voilés récemment. C'est-à-dire, les filles, moi-même, je connaissais des centaines de gens que je voyais à droite, à gauche, dans mon quartier, où j'habite, quartier où je travaille, dans les clubs, associations, que j'ai rencontré les gens. La plupart des choses, c'est nouveau. Et cette nouveauté, il y a un bout politique. Mais bien sûr, chaque individu ne connaît pas cette bout politique. On a
utiliser ces gens-là, on est en train de l'utiliser pour changer l'image du pays. Et ce changement de l'image du pays, c'est ça qu'aujourd'hui ramène, je suis désolé, Front National, 30%. Et c'est pour ça que le seul concurrent qui peut être pour Front National, c'est le Fillon, en train d'être matraqué, massacré tous les jours, pour qu'on affaiblit d'ici et on augmente de l'autre côté. Regardez Général Henri Paris, c'est un type de gauche, c'est un socialiste, conseiller des ministres de François Mitterrand, ami et toujours. Lui-même, il croit en Fillon comme alternative d'aujourd'hui. Alors quand on est en train de faire monter Front National, moi j'ai pensé récemment à ça, j'ai arrivé à cette idée, comme quoi je pense qu'il y a une idée de think tank, un programme, de donner 4 ans le pouvoir à Front National, je suis désolé, je veux le dire, pour rester dans l'histoire, pour faire un nettoyage. Voilà, Karcher, vous vous rappelez de Karcher que Sarkozy l'a dit. Sarkozy, il a parlé de Karcher. Mais il n'a pas fait ça quand il était président. Mais pourtant, il était exclu de campagne et une fois élection de cette fois-ci-là. Cette Karcher, c'est peut-être ces Front National qu'ils sont en train de le maquiller pour vous, pour tout ça. Puisque, n'oubliez pas, il y a une gentillesse, une diplomatie de parole, une diplomatie d'attitude de la part des Français, on peut dire, qu'ils ont une culture aimable. Et, à mon avis, moi, je voyageais partout. Je voyageais partout dans le monde. Je connais beaucoup de civilisations, beaucoup de pays. Mais la France, pays de Voltaire, Jean-Paul Sartre, Montesquieu, pays de la Renaissance, de la Révolution, seul pays laïque, ses attitudes, c'est différent. C'est pour ça un peu compliqué, un peu difficile. De toute façon, vous avez la parole, mes chers amis. Vous pouvez partager votre opinion avec nous en composant le 08 92 23 95 20. Bachir, bonjour. Oui, bonsoir, David. Bonsoir. Oui, alors moi, je voulais intervenir justement par rapport à les problèmes par rapport à la religion. C'est-à-dire que, notamment, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais au niveau d'une philosophie concernant la laïcité. Bon, parce que la laïcité, bon, c'est un remède, mais ce remède est en fin de compte, c'est le remède qui est apporté justement par rapport à un échec.
C'est-à-dire que c'est l'échec d'une union entre l'Église et l'État, c'est-à-dire qui n'a pas pu se faire parce que les enjeux de pouvoir ont été mis en clin. Et donc cette union sacrée n'a pas pu se faire, donc il y a eu une séparation. Et justement, la séparativité ne permet pas de faire un travail de transparence, d'honnêteté et d'apport d'une moralité. Et on voit bien que l'État est croupi sous le mensonge, sur la corruption, une perte de moralité très profonde. Et même celui qui prétend être le plus pieux est soumis à des problèmes de corruption ou de malversation. Et justement, l'homme ne peut pas, au fond de lui-même, se séparer, être divisé en lui. C'est-à-dire, en lui, il y a le religieux, en lui, il y a le politique, et en lui, il y a le social. Et s'il se divise, il se perd. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on est dans des querelles, parce que tout est mélangé, enfin tout est séparé, et chacun se met en conflit. Là, l'histoire du voile, justement, ce voile, on est sous le voile parce qu'on ne voit pas ce voile nous cache une réalité de ce qui se passe réellement dans le monde. Et d'ailleurs, c'est la révélation, justement, c'est ça, c'est la levée du voile. Et symboliquement, le voile que les femmes portent, c'est malgré elles le signe qu'il y a quelque chose de voilé, qu'on ne dit pas la vérité, il y a un manque de transparence. Je ne dis pas pour les femmes elles-mêmes en tant que consciemment pour cela, hein, c'est dans l'inconscient collectif, hein, parce que mes soeurs, enfin, ou mes cousines, certaines portent, bon, c'est pas le voile mais le foulard. Donc c'est un constat qui est fait malgré elle, sans qu'il y ait une violence, quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que il y a ce conflit qui n'est pas résolu déjà entre les trois éléments, c'est-à-dire la politique, la religion et le social. Et on sera toujours dans des conflits. Par exemple, le commerce, ce n'est pas le commerce en soi qui est un problème, même si se mondialise, mais c'est le système de concurrence, de conflit. Il y a des conflits de commerce, il y a des conflits pour s'accaparer des marchés. Et d'où tout un trafic pour pouvoir vendre à bas prix et donc de mauvaise qualité. Donc les conflits sont liés par rapport justement les grosses puissances financières qui justement sont les commanditaires d'un dictat, quoi, de ce qu'est le monde. Voilà ce que je voulais dire, quoi. Merci, Bachi. Parce que même à ce niveau-là, il y a, comment ça s'appelle, l'Europe qui est transformée en entreprise,
J'avais entendu dire des journalistes en parlant de la Grèce, que la Grèce dépopulant ou faillite comme était considérée comme une entreprise. Donc les nations ne sont plus des vrais pays, mais des entreprises business, enfin, que l'on doit. Voilà donc. Voilà. Merci. Au revoir, Bachir. Au revoir. Comment ? Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Bachir avec nous sur 95.2 FM. Mes chers amis, vous avez la parole. Et concernant l'histoire de Yacine, personne n'a pas pour nous donner peut-être des informations. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou non. Dans le dernier numéro de Canard Enchaîné, cette fois-ci, il ne parle pas de François Fillon, mais il parle de Roger Madoc, sénateur, mes chers amis, et c'est quoi? C'est très grave, très dangereux, comme quoi M. Yacine, qui est attaché parlementaire de ce monsieur sénateur Roger Madoc, alors il avait des relations, on peut dire, il a fait des propagandes, on peut dire, pour le Daesh. Le Canard Enchaîné a informé ça, malheureusement, selon le Canard Enchaîné, qui a relevé l'affaire. C'est un peu triste, malheureusement, mais il faut le dire, je voulais vous dire, et je voulais vous informer, même je voulais prendre contact avec Yacine pour voir qu'est-ce qu'il pense, mais je n'ai pas pu, si Yacine lui a donné des explications avec plaisir. Yacine, qui avait été condamné pour violence conjugale et avait dû démissionner de son poste de secrétaire national du Parti Socialiste chargé d'intégration en 2015, seulement quelques jours après sa nomination. Mes chers amis, on a trouvé sur son compte Facebook qui avait envoyé des messages dangereux. Alors, on va prendre Gilles. Bonjour Gilles. Et nous avons Gilles qui est parti. On va prendre Bernard. Bernard, bonjour. Bernard. Allô. Bernard. Alors, Gilles et Bernard s'étaient coupés. Vous pouvez revenir, mes chers amis. Allez. 08 92 23 95 20. Bonjour Bernard, ça y est, on vient de vous retrouver. Bonsoir, je crois qu'il y a une petite erreur technique. Moi, je souhaitais intervenir sur ce thème de la laïcité, parce que j'étais intervenu il y a 2-3 jours, en fait, dessus. On vous écoute, Bernard. Pour expliquer, en fait. Oui. On vous écoute, oui. Alors, je disais que je voulais intervenir sur cette notion de laïcité dans laquelle on baigne, qui est, pour moi, disons simplement... un remake de l'ancienne religion, enfin en Occident, la religion chrétienne, quoi. Et donc, de tout temps en Europe, enfin de tout temps, pour disons, manipuler et contrôler les populations, on les a tenus prisonniers avec deux choses. D'abord, l'existence d'un esprit du mal et d'un enfer. Et deuxièmement, par la culpabilité d'un péché originel. Or, il se trouve que dans ces derniers siècles, on s'est détaché, on s'est libéré de ces deux notions de l'esprit du mal et du péché originel. Et en fait, ça n'a pas du tout plu
aux gens, disons à cette oligarchie, j'appellerais ça un cloud de pouvoir. Ça ne lui a pas beaucoup d'outil plus que les populations puissent s'émanciper par rapport à ces deux notions. Et en fait, ils les ont réintroduites, mais sous d'autres termes. En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que la notion de diable a pris un nouveau visage, c'est on l'appelle Hitler. C'est-à-dire que le nom d'Hitler, je ne veux pas minimiser ce qu'a fait Hitler. Mais ce que je veux dire, que maintenant, au lieu de parler de diable ou d'enfer, de diable, ce qui ferait quand même très très ringard et connoté et vieux, eh bien, on l'a remplacé cette notion par celle d'Hitler. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle d'Hitler, c'est comme avant dans l'ancienne religion, on parlait du diable. Alors donc, vous avez un ennemi, il s'agit de le diaboliser, eh bien, on dit il est comme Hitler. Et ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion pour nous culpabiliser, spécialement en France et dans d'autres pays, au lieu que ça soit un péché originel, ce péché originel, on va le remplacer par, la collaboration pendant la dernière guerre mondiale d'une partie du peuple, une partie minoritaire du peuple avec les forces d'occupation. La grande majorité du peuple ne faisant que supporter une occupation, l'occupation allemande. Donc il y a une partie du peuple qui a tiré ses marrons du feu en collaborant avec les envahisseurs, enfin les nazis. Et donc on se sert de ça comme d'un nouveau péché originel pour pouvoir culpabiliser les gens, parce que si les gens ne sont pas culpabilisés, vous ne pouvez pas leur faire accepter de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Parce que pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, il faut être puni. Et la punition, elle vient de la culpabilité. Donc moi je dis que la nouvelle religion, en fait, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Elle a un diable et elle a un péché originel. Et grâce à ces deux notions-là, on peut continuer à manipuler les gens comme on le faisait au Moyen-Âge et voilà, dans ces temps-là. C'est simplement une mise à jour de la religion chrétienne dans laquelle on croyait s'être émancipé. Et ça marchera toujours. Ça marche toujours tant que les gens n'ont pas pris conscience justement qu'ils sont manipulés par la culpabilité et puis par cette notion d'esprit du mal et d'enfer, quoi. Voilà ce que je voulais dire. J'avais été déjà intervenu là-dessus, mais je crois que les gens n'avaient pas capté exactement ce que j'espère avoir été clair cette fois-ci. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En tout cas, je voudrais aussi intervenir sur le phénomène Macron. Alors, le phénomène Macron, c'est quelque chose d'assez unique. C'est unique au niveau de la planète. C'est la première fois que dans un pays, on assiste à une élection présidentielle, on place quelqu'un comme en fait un lancement de produit. Vous lancez un produit, on lance un parfum, on lance un journal, on lance une voiture, et là, on est en train de lancer un président, qui est Macron. On le met en avant, mais exactement, c'est un produit publicitaire, c'est un lancement publicitaire, c'est exact, ça n'était jamais arrivé dans aucun, même en Amérique, même aux États-Unis. Tous les gens qui étaient candidats venaient d'un parti, d'un appareil, avaient un passé politique lointain, etc., loin. Et donc, c'était des gens qui étaient placés par leur parti ou alors un appareil qui les soutenait. Et là, pour la première fois au niveau mondial, on nous lance un président comme on fait un lancement de produit, quoi. C'est une opération marketing. Et là, en vérité, la vraie lutte qui se passe en ce moment, c'est l'ancien système des partis et des appareils contre le nouveau système, qui est ce système, c'est l'alliance de ce nuage, de ce cloud de pouvoir, c'est-à-dire essentiellement les gens du CAC 40, et les médias, et le système médiatique, qui ont décidé de la promotion d'un produit qui s'appelle Macron. Et alors donc, en vérité, je suppose que cette élection française est suivie partout dans le monde. Parce que si ça réussit, si ça marche, si on arrive à nous fourguer le produit Macron,
eh bien, la tactique va être reprise très rapidement. Et là, c'est la première fois qu'on est en avance sur l'Amérique, d'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Bernard. OK. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Voilà, c'était Bernard sur 95.2 FM. Opération marketing, et c'est très intéressant. Et c'est ici, Bernard, que nous devons savoir et nous allons voir si les gens sont laïcs ou ignorants. Parce que ce n'est pas le christianisme qui soit, disons, ou les chrétiens qui ont créé la laïcité. La laïcité, comme un historien, je veux te dire que ça existe. C'est un combat. C'est un combat entre deux forces. C'est vrai que toujours on disait qu'il y a troisième aussi, le gris. Gris, on ne dit pas ni noir ni blanc, gris aussi existe au milieu. Mais un combat depuis toujours ça a existé, et tu as dit une partie, c'est le cerveau, la raison, et contre ignorance. Ignorance, cette école, même après l'islam, avant l'islam, après christianisme, avant christianisme, avant judaïsme, après judaïsme, ça existait. L'homme, depuis qu'il a créé la première cité quand il a créé, cette combat existait. Qu'une partie des gens, ils croyaient au pouvoir de cerveau, au pouvoir de raison, au pouvoir de laïque. Et l'autre, il pensait au pouvoir, comme tu viens de dire, diable, au pouvoir de clergés qui vont être suivis par les ignorants, par les milices. Par les milices. Une partie de tes propos, c'était bien, mais la laïcité n'a pas été créée par les chrétiens. La laïcité existait avant le christianisme, après le christianisme, depuis des siècles, depuis des années. Cet combat entre la lumière et le ténèbre, entre la religion et le cerveau et le rationalisme, entre être militant et obéissant et être avant-garde en obéissant le cerveau de l'individu, ça existait depuis toujours. Et aujourd'hui aussi, tu as tout à fait raison, on va voir si ce nouveau produit qu'ils ont créé